Ok. On lit dans Deutéronome, c'est un début. Un homme, Deutéronome 21, 15 à 17. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il a des fils dont le premier-né soit la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit des nesses lui appartient. Amen. Ah. Va chanter. Jésus a dressé la table pour nourrir les saints de Dieu. Il invite ses élus, bien sûr, et pas. Et sa maligne nourrit, tu viens à tous nos besoins. Il est bon de souper avec Jésus. Oh, viens dîner, remets ta belle dîner. Oui, qu'il fasse toi à sa table pour le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi le enfer. Toi qui as fait, il t'appelle. Oh, viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui festoie à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi le enfer. Toi qui a fait, il t'appelle. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce jour que tu as permis que nous puissions. Dans ta grâce est toujours en vie. Dans cette ouverture de la parole, que tu as descendu de tout ton cœur. Seigneur, nous voulons que tu viennes dans ce bon esprit pour bénir tes enfants ce jour. Selon la promesse de ce temps, qui est immortalité, descend l'immortalité dans cette église. Bénis ton serviteur qui est passé tout à l'heure, qui a prêché les ennemis de la foi. Et nous croyons que tu nous béniras aussi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le pasteur Chaussier le disait, si Dieu a dit, demandez tout ce que vous voulez. Et puis n'avez pas mis, si vous avez la foi, on serait déjà sur le soleil même en train de construire nos maisons là-bas. C'est la foi qui fait qu'il y a blocage. Amen. Donc la foi là, c'est vraiment un blocage. On veut faire beaucoup de choses. On veut avoir beaucoup de maisons. On veut avoir même la santé. On veut la santé pour nos enfants. On veut la prospérité dans nos entreprises. On veut changer de vie. Mais Jésus a dit, si vous avez la foi. Amen. Et c'est vraiment la condition. Sinon, on serait tous quelque part. On a tous quitté la terre. Tu t'appelles, tu dis à Dieu, refroidit une partie du soleil, il vient aller habiter là-bas, passer la terre là. Tout le monde me déteste ici. Dieu n'y a pas la foi. Tu as demandé, puis il fait. Mais Dieu merci, il a mis la foi.
Alors c'est pas tout le monde qui a la foi. Alors ça fait que les choses sont au fur et à mesure. Amen. C'est une très belle inspiration. Amen. Il y a un deuxième verset que je voulais lire. Amen, c'est l'apôtre qui a dit ça. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns pour des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, d'un usage de déshonneur. Amen. Je crois que quand j'ai pris le passage d'un homme qui a deux femmes, les soeurs se sont souvenues en même temps du dimanche passé. Amen. Mais peut-être qu'une autre fois, Dieu va donner une inspiration là-bas. Mais actuellement, nous sommes sur le côté d'enfant. Amen. Le côté d'enfant est le côté de partage d'héritage selon les enfants quand tu as tes femmes. Amen. Parce que toutes les lois que Dieu a données physiquement, c'est parce que ça existe spirituellement. Alors si quelqu'un ici dans cette assemblée avait deux femmes et qu'il avait deux fils aînés de deux femmes différentes et qu'aujourd'hui on touchait ce passage, il pourrait dire que c'est à cause de moi que le pasteur veut prêcher ça aujourd'hui. Pour que demain quand j'aurai du partage à faire, et je suis déjà orienté. Or c'est pas ça du tout. Ça ne s'adresse à personne. Parce que quand on prêche, c'est le côté spirituel, là, nous, on prêche toujours. Amen. Donc, les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte. Hein, vous aimez l'adoration. Hein, il y a l'adoration à côté de nous, c'est très bien. Le frère Eli qui a dit quelque chose qui m'a que j'ai aimé ça. Quand on était en réunion ici, il a dit que quand au village là-bas, quelque part au village, au campement, quand les gens partaient au champ, en brousse, ils jouaient le tombolo. C'est le piano africain. Et quand il joue le djoumlo, c'est le piano africain. Les esprits viennent danser ça. Les esprits de la forêt viennent danser ça. Et comme les esprits sont en train de danser, les esprits avaient loin d'un esprit pour les empêcher d'arrêter de jouer. Parce qu'eux, ils sont heureux quand ils jouent. Alors, ils peuvent jouer pendant des jours sans arrêt, parce qu'ils sont sous notion. Et c'est là que j'ai vu que quand tu as dit siège dans l'adoration, c'est pas n'importe comment. Mais si moi, je partais dans cette forêt-là, et que je prenais le djoumlo, hein, le piano africain, et que je commençais à taper, les génies ne vont pas venir danser. Ben, je ne sais pas jouer. Pour que ça soit intéressant. Pour qu'ils vont venir danser. Donc quand Dieu dit siège dans l'adoration, si ce n'est pas intéressant, il ne vient pas. Si c'est la cacophonie, il ne vient pas. Si les conditions ne sont pas réunies, il ne vient pas. Hein? C'est pour ça qu'on demande à nos frères pianistes et puis aux chantres d'être toujours
à l'heure de l'église. Parce que Dieu veut danser. Quand tu vas dans la forêt et que tu vas taper ton domolo, ton piano africain, Dieu ne peut pas danser ça, ce n'est pas son adoration. Les démons, ils dansent tout. Même ça, la maison en train de danser, ça mal. Ils s'en foutent des noms que tu dis dedans. Hein. S'il n'y a pas Dieu, c'est pour eux. Donc tu vas taper ton domolo. Comme il n'y a pas Dieu dedans, c'est pour eux. Et ils dansent. Alors comme ils se fatiguent jamais, ils te oignent. Pour que faut pas que tu aies te fatiguer comme eux aussi. Mais comme Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il ne commande rien, il ne t'oblige rien. Donc tu joues avec tes moyens. Donc tu peux jouer une heure là, il est là danser. Voilà quand la Bible dit, c'est Isaïe qui est parti dans le temple, il a vu que les anges étaient en train de danser dans le temple. Ils étaient là danser. C'est l'éternel des armées, puis ils bougent. Tu vas danser. Ils chantent et ils dansent. Alors si Dieu aime l'adoration des anges, mais il aime plus l'adoration des êtres humains qui sont à son image. Alors quand toi tu te mets ici en train de chanter, faut pas regarder les gens que tu vois là. Souvent on est là adoré, on sait que ça c'est une adoration, les anges sont au milieu de nous. On ne les voit pas, mais ils sont là à danser aussi. Souvent les pas que tu fais, c'est plus tes pas, c'est les anges qui sont en train de faire les pas avec toi. Tu t'amènes. Alors arrivé un moment, même le pianiste, il est sous onction. Quand il est là, je vais, c'est le public qui joue. C'est l'onction de l'ange qui est sur lui. Tu t'amènes. Alors prenez vos ministères très au sérieux. Quelqu'un qui fait danser Dieu, donc chaque dimanche, Dieu veut danser. Et puis tu l'empêches, il ne danse pas. Chaque dimanche, Dieu veut danser. Quand hein, le frère a dit, quand les frères ont vu que les démons là, les génies là, les ont, les captivaient pour jouer, tu te joues. Ils ont cassé ça, ils ne jouent plus. Donc quand ils ont cassé, ils ne jouent plus, les démons se sont fâchés. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à fatiguer les enfants. Et ce n'est pas juste les enfants, mais les jeunes là ou bien les messieurs là. Ils ont commencé à les fatiguer. Et ils ont vu que les esprits là, ils savaient que quand ils jouaient, arrivé un moment, c'est plus eux. Comment ils vont finir de jouer? On dit Kofi, tu as fait 2 jours dans la forêt, tu faisais quoi? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il ne joue plus, il s'en va et puis casse son domolo. Les jeunes sont là et disent ok. Ils ont commencé à les fatiguer. Donc lui, il veut forcément danser. Toi, tu dois forcément jouer. C'est comme ça Dieu aussi. Si Dieu siège dans l'adoration, pas pour lui s'asseoir quand il siégeait, on pense qu'il vient s'asseoir sur le fauteuil et puis il nous regarde. Non. Le siège de Dieu, quand il vient au milieu de nous, il a dansé à nous. Il a siégé comme cela. Il prend le commandement sur l'église. Il a siégé comme cela. Alors quand tu l'empêches, tu mets bras, tu mets croix rouge sur son piano. Hein? Hein, tu mets croix rouge sur son piano. Tu mets croix rouge sur le micro. Un jour quand tu es là, tu dis non, moi je ne chante pas aujourd'hui. Là. Le pasteur m'a fait quelque chose là. Je ne chante pas. Dieu aussi, il réprimande. Là, ce côté-là seulement, ce n'est pas les démons seulement qui réprimandent. Lui, il ne va pas te priger comme eux, mais si tu ne fais pas seulement, il est le Dieu qui juge. Amen. Et donc, pour ne pas que, il va venir nous embrouiller. Ça, dimanche, on va venir taper le domolo. Amen. On va venir chanter. Amen. Donc, tu vois, tout est important dans la maison de Dieu. C'est pour cela que je disais, même tu peux aller dans la maison d'un féticheur, d'un marabout. Et puis dans son discours de 1 heure du temps, amen, tu vas capter quelque chose là-bas qui est pour Dieu dedans. Puis tu vas prendre ça pour venir comparer ça à ce que Dieu a dit. Puis tu vas ressortir une pensée que tu n'as jamais compris. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. On est là pressé comme ça. Donc les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. La Bible dit que la nuit les précédait. Le jour et la colonne de feu la nuit. Mais je n'ai pas
compris pourquoi, quand chaque fois que la colonne de feu va sortir sur Branham, sa veste là est noire. Branham avait les jolies vestes. Il avait une veste kaki, bien gris, façon, qui est bien jolie. Beaucoup de couleurs de veste. Mais les deux fois où c'était sur sa tête, sur son épaule, même quand ça prit les fleurs, il était en veste noire. Mais c'est une colonne de feu de la nuit. Tu t'amènes. Donc, Branham a réalisé son ministère, mais il identifiait minuit. Donc, prédicteur avant minuit et minuit. Donc, quand la colonne de feu sortait, ça marquait quelque chose. Alors, la Bible dit que la colonne de feu venait la nuit pour les éclairer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nuit, ils sont endormis, lui, il sert de lampadaire. Dieu n'a pas mélangé les travaux. Chacun a son travail. Quand la nuit arrive, la colonne de feu vient pour les éclairer. Pour les papas, ils sont dans le désert. Là-bas, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de lampe, ils n'ont rien pour partir avec. Même s'ils ont pris pétrole en deux jours de mars, tout pétrole est fini. Ils sont tous dans le noir. Mais là-bas, en Égypte, chaque fois ils se procuraient de pétrole, leur maison était éclairée. Quand ils se promènent, ils attendent la lampe et puis se promènent. Mais là-bas dans le désert, ils ont problème de lampe. Donc ils seront dans le noir, l'obscurité. Tout le temps, imaginez l'obscurité du désert. Donc quand Dieu a envoyé la colonne de feu, c'était comme lampadaire pour les éclairer la nuit. Pour ne pas qu'ils aient besoin de lampe. Amen. Maintenant le jour, la nuit, quand lui vient, c'est pour les conduire. Amen. Donc la nuit les conduisait le jour et la colonne de feu les éclairait la nuit. Maintenant, là, quand la nuit vient, il a un rôle spécial. Voilà pourquoi on a vu les deux esprits, si je peux dire comme cela, les deux identifications du corps de Dieu dans le ministère de Branham, où il y a eu d'abord la colonne de feu qui s'est identifiée dans son ministère. Et le 28 février 1963, la nuée maintenant est descendue. Dites amen. Donc quand la nuée descend, lui il vient dire qu'on va décaler. Ah, vous comprenez? La lumière vient pour éclairer. Donc le ministère de Branham a mis beaucoup de lumière dans la parole. Dites amen. Tout ce qu'on ne comprenait pas, tous les mystères qu'on ne comprenait pas, tout ce que Dieu avait caché, c'était la lumière qui éclairait sur la parole pour qu'on va voir clair, pour que les écailles vont tomber de nos yeux. Donc tous les mystères que Branham disait, c'était la lumière. Mais quand la nuit est descendue, il montrait qu'on va décaler. Parce que quand lui vient, ça vous conduit le peuple, c'est de quitter d'un endroit A à un endroit B. Dites amen. Alors, on devait comprendre, depuis le 28 février 1963, que la nuit est descendue, il y avait un décalement qui allait se faire. Et c'était ceux qui allaient suivre le décalement. Amen. Avec Dieu, il ne faut pas camper pour rester là. Il ne faut pas construire une maison. Avec fondation, il faut avoir les bâches. Tu démontes, tu t'en vas. Tu démontes, tu t'en vas. Si tu construis maison en Dieu, tu vas rester là. Amen. Alors ils sont arrivés dans le désert. Voyez la mer rouge qui était devant eux. Pharaon venait, tous ses militaires derrière eux pour venir les bombarder. Mais la nuit, c'était pas son temps. Parce que c'était la nuit. Donc la nuit, c'était la colonne de feu qui devait travailler. Mais pourquoi la nuit était là ce jour-là? Dites amen. Parce que ce jour-là, ils étaient toujours en marche. Quand ils ont quitté l'équipe, l'Égypte, aux environs de minuit, 1h du matin, là, la nuit était là. Parce qu'ils étaient en marche. Tant
que la nuit est là, ils doivent avancer. Mais la nuit est là pour qu'on avance. Dites amen. Donc subitement, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, oh, il nous dit, pendant le jour, mais à la mer Rouge, il dit la nuit qui les précédait, parce qu'ils marchaient. Dites amen. Ils venaient de sortir. Il n'y a pas un temps de repos, il n'y a pas un temps de marche, parce qu'ils sont sortis la nuit. Ils sont arrivés à la mer Rouge la nuit. Alors c'est la nuit qui les a fait sortir. Il était devant eux. Et arrivant à la mer Rouge, la Bible nous dit, la nuit qui les précédait. C'était la nuit, mais ça les précédait. Parce qu'ils marchaient. L'important de la nuit, même quand c'est descendu à minuit, c'est pour qu'on marche. C'est pas pour s'arrêter. Il dit, t'es arrêté sur les bancs, tu es mort. Dites amen. Alors la Bible dit, la nuit qui les précédait est partie derrière. Parce que les deux étaient là. La colonne de feu aussi, qui les éclairait la nuit, est partie derrière, un côté noir, un côté clair. Dites amen. Maintenant, oh, ils doivent toujours avancer. Ils ne vont pas rester là. Tant que la nuit est devant, ils doivent avancer. Mais la nuit qui est devant, qui fait qu'ils avancent, lui les quitte devant. Il est parti derrière. Maintenant, il y avait quelqu'un aussi qui était devant, qu'on appelait Moïse. Dites amen. Mais regardez la différence. Quand la nuit est devant, il dit, voilà, je suis même. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Moi, je suis devant toi. Que moi, je te montre le chemin. C'est le travail de la nuit. Mais quand il y a problème, qui se fait devant. La mer où j'étais là, c'était un blocage, c'était pas quelque chose de chercher ses mains, que le désert est large, où j'ai dirigé pour arriver à Canaan. C'était plus un problème comme ça. Il y avait un blocage, il y avait des difficultés qui devaient vaincre. Là maintenant, la nuit dit, c'est pas mon parable, ce n'est pas à moi de faire ça pour le peuple. La nuit quitte là, il sera un chemin derrière pour bloquer l'ennemi. Ne pas que l'ennemi les rattrape. Mais il y a quelqu'un qui est devant qu'on appelle Moïse. Il dit à partir de ce moment, ce n'est plus la nuit, mais c'est l'homme maintenant qui doit frayer le chemin. Dites amen. Oh, c'était la nuit qui les conduisait, mais devant le problème, c'était Moïse. C'est Moïse qui a fendu la mer Rouge avec son bâton et qui devait traverser le désert. Quand il finit de traverser le désert, la nuit a repris son ministère, les conduisant la journée. Et la lumière, la colonne de feu, pour les éclairer la nuit. Mais quand il est arrivé, où ils avaient un problème d'eau, pour boire de l'eau, la nuit ne pouvait rien faire pour eux. Dites amen. Ils criaient, ils avaient un problème d'eau. La nuit qui les précédait, il est venu carrément derrière. Il dit, Moïse, voici les rochers là-bas. Il faut prendre ton bâton. Il faut aller taper. Il ne tape pas ton peuple qui est là. Ils vont mourir de soif. Dites amen. Il y avait un problème. Il y avait des difficultés. Chaque fois qu'il y a un problème, ce n'est pas une affaire de nuit. C'est une affaire d'individu. C'est Dieu passe un homme devant toi. Et la solution est entre ses mains. C'est lui qui peut ouvrir là où c'est fermé. Dites amen. Il nous c'est pas pour lui-même. C'était pas Moïse qui criait qu'il avait soif. C'était le peuple qui criait qu'il avait soif. Mais la nuée dit la solution est dans la main d'un homme. Pas dans la nuée, pas dans la colonne de feu que les gens sont en train d'adorer. Dites amen. Pas, ils ne savent même pas que les deux rôles sont la confondre tout en train d'adorer colonne de feu. Amen. Amen. Quand ils ont un problème pour pouvoir manger, ils avaient faim, ils devaient manger. Dieu a dit, allez dormir. Demain matin, toute la terre va remplir de la rosée. Ça, c'était la promesse de Dieu. Dieu le mettait en haut, il a dit, je vais le faire. Et il a fait simplement. Mais il est arrivé aussi un jour où ils ont eu un problème encore. Les ennemis étaient en combat contre eux. La nuée, la colonne de feu. Regardez quand on dit colonne. On peut parler de quelque chose d'un pilier qui quitte la terre, qui monte jusqu'au ciel. C'est ça, on dit colonne. Peut-être que dans les traditions, peut-être que le mot a été mal employé, ou dans le mot a été bien employé.
Parce que quand on dit colonne, ce n'est pas quelqu'un qui est petit. C'est un pied. Comme les pieds des grandes maisons qui tient les grands bâtiments, dont la nuée quitte la terre et il monte jusqu'en dans les cieux. C'est ça qui est une colonne. Maintenant, c'est ça qui les conduisait le jour et une colonne de feu qui les conduisait la nuit. Donc, c'est bien long. Maintenant, si c'est une colonne comme ça qui les conduisait, voici l'ennemi qui arrive. La colonne de feu brûle tout sur son passage. Voici l'ennemi qui arrive. La nuée qui noircit le coin, les gens vont partir. Voici l'ennemi qui arrive. Là, c'est une difficulté qui est devant eux, qui est arrivée. Maintenant, la nuée dit, toi, Moïse, c'est toi qui vas faire que le peuple va vaincre le peuple qui est en face d'eux. Il faut monter sur la montagne. Seulement tes deux mains, il faut élever cela. Tant que c'est élevé, ça veut dire que si Moïse, il baissait la main, quelle que soit la présence de la nuée et de la colonne de feu, ils allaient les tuer et tous. Dis ta main. Alors quand vous mettez la photo de la nuée de gloire dans vos maisons, vous comptez soi. Ça fait quoi pour vous? Quand vous mettez la nuée, la colonne de feu sur la tête de Branham, Branham lui-même, dans vos maisons, vous comptez quoi dessus? Ça fait quoi pour vous? Dites amen. La lumière qui était sur sa tête, c'est ça qui est dans la brochure. On nous a déjà donné toutes les révélations, toute la lumière qui devait nous éclairer dans le noir. Que l'Église catholique a brûlé cela, elle est venue éclairer ça pour nous. Ça est dans les bandes. Quand tu mets la photo, tu penses à quoi? Dites amen. Quand la nuit est là, ça te montre que tu dois avancer. Tu ne dois pas t'arrêter. Mais si c'est pour un problème, Dieu te dit qu'il ne faut pas regarder la nuée. Il ne faut pas regarder la colonne de feu. Il y a un homme sur la terre. C'est lui qui a la solution. Dites amen. Parce que c'est le temps de l'empreinte. On doit laisser notre empreinte. Dans le Saint-Esprit, parle d'un homme à un autre. S'il a quitté ce monde pour aller chez toi, arrivé un moment, ton caractère va commencer à s'enclaver sur le caractère, sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va en toi et ses seules vertus. C'est le caractère de Dieu. Donc le caractère de Dieu qui est la seule vertu, tu reçois cela. Mais arrivé un moment, un mariage, c'est du donnant, c'est-à-dire la communication. Quand on communique, ce n'est pas de façon. Hein, ça vient et puis ça ne retourne pas. Non! Tu as reçu pour lui, il reçoit aussi pour toi. Dis ta main. C'est pour ça que le prophète Abraham dit que Dieu ne change pas tout. Ce qui est en toi, même que tu dis que c'est un défaut, ce qui est en toi, même que tu dis que ça me dérange, le Saint-Esprit vient. Il dit c'est ça même que j'ai besoin. Ça devient aussi sa nature. Ça devient aussi son comportement. Chaque fois que tu tapes, ce n'est pas toi qui tapes, c'est le Saint-Esprit qui a tapé. Amen. Dites amen. Non, le monsieur, il aimait crier. Oh. Donc, il a reçu le Saint-Esprit. Il doit arrêter de crier. Ok, ça peut s'arrêter. Si ça n'arrange pas, le travail que Dieu donne à cet homme est fait. Mais si ça l'arrange, quand il vient, il garde ça. Dites amen. On dit, mais pourquoi il continue de crier? Ce n'est plus le même cri. Avant, c'était lui qui criait. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui crie. Donc, quand il prend son Saint-Esprit, arrivé à un niveau de maturité, le Saint-Esprit a le caractère qu'il a. Dites amen. De caractère en caractère. Et quand il quitte sur toi, l'empreinte de ton comportement est dessus. Voilà pourquoi tous ceux, le bonhomme dit, dans une église, il y a le Saint-Esprit. Si le pasteur aime balancer sa tête, il dit bien, dans l'église, il y a le Saint-Esprit. Ça m'a toujours fait bizarre. Pourquoi il précise? Il dit qu'on n'est pas là pour recevoir les esprits humains. Donc on est là pour recevoir le Saint-Esprit. On n'est pas là pour prendre un esprit charnel de son frère pour aller chez toi, l'esprit charnel du pasteur pour aller chez toi. Donc c'est le Saint-Esprit qu'on vient recevoir. Pourquoi Abraham dit, dans l'église, il y a le Saint-Esprit? Dis, remarquez bien, si le pasteur aime balancer sa tête à gauche, toute l'église aime faire ça aussi. Mais vous pensez que la nouvelle personne qui vient d'arriver, elle va faire ça aussi? C'est quand tu reçois l'esprit qui est dans le pasteur, le Saint-Esprit qui est en lui, il fait ça. Dis amen. Tu veux, tu ne veux pas, tu fais ça aussi. Dis amen. Quand, au temps d'Élie, pas Élie le Tishbis, Élie, c'est un petit message. On va bientôt finir.
pas lui le crucifix. Et lui le sacrificateur. Lui que Dieu a tué tous ses enfants et puis là c'est parti à cause du comportement de ses enfants. C'est un grand serviteur de Dieu. Un moins. Quand Anne est venue prier, Anne c'est ses enfants. Elle priait, priait, puis ça ne finit pas. Le sacrificateur est venu la voir. Il dit, mais il y a quoi? Tu es saoulé, tu as bu quand tu es saoulé. Elle dit non, il y a problème d'enfant. Que c'est pour ça que je suis là à prier. Tant que Dieu ne résout pas, je suis là. Le sacrificateur, il dit, va en paix. Dieu a entendu, va en paix. Dis amen. Et la femme qui était là n'a pas discuté un seul mot. Comme le passage aussi a dit ici. Tu peux te parler, puis tu discutes d'abord. Elle avait sa conviction. Elle dit, tant que Dieu ne me résout pas, je ne quitte pas. Ça, c'était une liaison entre elle et Dieu. Un homme vient au milieu. Il ne comprend même pas ce que tu fais là, il est perdu dedans. Il a orienté même ailleurs. Tu dis, non, ne suis pas perverse comme ça. Voici mon problème. Il ne recule pas d'abord sur place là, il dit, va. Dieu t'a déjà attendu. Ton problème est réglé. Sur place là, toute sa conviction, elle a laissé tomber ça. Elle a mis son cœur sur l'homme. Pas son cœur sur la lumière qu'elle ne voit pas. Pas son cœur sur la colonne de feu qu'elle ne voit pas. Je suis venu prier Dieu. Tant que Dieu ne résout pas mon problème, je ne quitte pas. C'est l'homme qui est venu. Et c'est l'homme qui a dit, faut partir en paix. Dis ta main, c'est l'homme que Dieu met en devant. Si tu as un blocage, tu l'as prié trop, on ferme ta bouche. Sois obéissant, sois obéissante. Quand Dieu va parler par la bouche d'un homme, tu as discuté d'abord. Tu as dit, l'homme là, il m'a compris même. J'ai dit que ça fait longtemps, il ne gagne pas enfant. Et puis lui, il vient, il dit, Dieu m'a déjà compris. Oh, moi, il voulait prier des jours. À peine je commence, lui, il vient me bloquer. Elle pouvait être, avoir cette incrédulité. Mais sur place, elle a pris ses bagages. Elle est rentrée. Elle est tombée enceinte. Donc la voix de Dieu était la voix d'Élie le sacrificateur que vous trouvez qu'il y a eu un mauvais comportement. Et c'est dans sa parole que le grand prophète Samuel que vous craignez, c'est lui qui est venu au monde. Et c'est lui qui a élevé Samuel. Arrivé au moment de Samuel, Dieu veut commencer avec Samuel. Dieu appelle Samuel. Samuel court, il dit, Élie, tu m'as appelé. Il dit, elle t'a pas appelé. Va dormir. Le jeune Samuel s'en va dormir. Dieu l'appelle encore. Il court, il s'en va chez lui, le sacrificateur. Tu m'as appelé qu'à trois fois. C'est la troisième fois que maintenant Élie s'est rendu compte. Il n'était même pas troublé. Il connaissait Dieu. Dites amen. Dieu est venu. Dieu voulait parler à Samuel. Mais le poulet de Dieu qui était sur la terre, il a déposé son empreinte sur Dieu. Dieu veut parler, Dieu n'a plus de voix. C'est la voix des sacrificateurs Élie. Et ça, il prend pour appeler Élisée. Il prend pour appeler Samuel. Dites amen. 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 Dieu n'avait plus de voix. Ça, c'est l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. Là-bas, c'était sous la loi des moutons. Des sacrifices de peu. Mais ici, c'est le sang de Jésus. C'est là que Dieu va venir pour sa propre voix. C'est là qu'aujourd'hui, Branham va venir avec sa propre voix. C'est que dans son dessein, il n'y a pas quelqu'un qui est encore entré. Si Branham venait aujourd'hui, ce n'est pas sa voix qui sort de la bande. Dites amen. Dites amen. Parce que Branham, on pense pas que c'est le Branham humain que nous parlons. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé en lui, qui a utilisé sa voix. Parce qu'il n'avait plus aucune autre voix. Si ce n'est la voix de Branham. Donc s'il doit parler à quelqu'un même, c'est la voix de Branham, il peut vous parler. Mais aujourd'hui, si le même ange d'Apocalypse 10, il veut parler à quelqu'un, il ne va pas prendre voix qui est dans les bandes. Dites amen. Il va prendre ta voix. Voilà pourquoi cette année,
2021, ton empreinte va t'imposer sur le Saint-Esprit. Quand il dit imposé, ce n'est pas imposé à Dieu. Dieu même, c'est son choix. Lui, il veut. Mais s'imposer là, c'est sur les croyants et crédits. C'est à cause de lui, il dit imposé. Dites amen. Dieu va vouloir parler. C'est ta voix, il va prendre. Si la Bible, le sacrificateur même qui a été rebelle, que Dieu est sur contre lui, parce qu'il a, il a aimé ses enfants pour me laisser. Qu'en est-il de toi? Ou le sacrifice parfait de Jésus? Et que Dieu dit que tu es son ami, tu es son frère, tu es mon bien-aimé, tu es la dernière église, c'est là que tu n'as pas identifié, c'est là que toi ton empreinte ne va pas rester sur le Saint-Esprit, ton empreinte va rester obligatoirement. Quand l'apôtre Coleman est entré dans le message, son empreinte est entrée imposée dans le message. Son style, sa manière de faire, son adoration, ça changeait tout. Dites amen. Aujourd'hui, tout le monde fait à cause de l'apôtre Coleman. Même les païens, même la dénomination, ils font à cause de l'apôtre Coleman. Quand on prêche, ils jubilent. Aussi, ils jubilent entièrement. Tout ça, c'est à cause de l'apôtre Coleman. C'est lui qui a envoyé sa maturité. Dites amen, sa manière de crier, sa manière de sauter, c'est ça que tout le monde fait. Seulement les différents. Seulement les différents. Tous ceux qui sont sortis de l'apôtre Coleman, regardez leur manière de faire. Ils ont reçu le même esprit là. Le même Saint-Esprit. Dites amen. Dites amen. Voilà pourquoi actuellement, une autre empreinte est en train d'entrer. Où les gens vont s'asseoir, vont s'arrêter calmement. Et puis les mystères vont descendre. Tout ouvre. Dites amen. Avec des paroles simples, même sans crier, où ça ne jubile pas, mais le ciel s'ouvre et puis ça fait seulement, comme au temps de Branham, parce que le début et la fin doivent être pareils. Dites amen. Alors le dernier fils, les deux femmes, tu as eu deux femmes, les deux femmes ont eu premier fils. Le jour tu as partagé ton argent, la Bible dit qu'il ne faut pas regarder l'enfant de la première femme que tu... Non, il n'a pas parlé de première et de dernière. Il n'a pas parlé de ça. Il dit celle que tu aimes. Ça dit même si tu as aimé Rachel, qui est la deuxième. Son premier fils là. Et que l'autre aussi a eu premier fils. Ce n'est pas Joseph que tu aimes sa maman, qui est le premier fils. C'est Léa. Que tu ne l'aimes pas, c'est son premier fils là. C'est lui que moi je prends. Amen. Donc c'est une affaire d'amour là. Amen. C'est pas une affaire de première femme et de deuxième femme. Amen. Parce que nous parlons d'une affaire de double portion. Mais cette double portion là vient par rapport à quoi? C'est par rapport à une concurrence. Dites amen. Amen. C'est pas quelqu'un à ça que toi tu as son double. Hein? Tu as eu deux enfants qui sont nés de deux femmes différentes, mais les deux là t'appartiennent. Et il y a un qui doit avoir la double portion, parce que l'autre doit avoir un. C'est parce que l'enfant de la maman que tu aimes, lui il va avoir un. Donc l'enfant de la maman que tu n'aimes pas, les deux sont garçons, ils sont premier-nés. Mais comme c'est l'autre qui est le plus premier-né, et que c'est de la femme que tu n'aimes pas, lui doit avoir la toute portion, deux fois, de celui qui était, qui est sur la maman que tu aimes. Amen. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi Élie c'est sous inspiration. Il a dit à Élie, donne-moi la toute portion, parce qu'il y en a deux. Dites amen. Avant qu'Élie va aller le prendre. Il y avait déjà un serviteur qui était avec lui. Avant qu'il va fuir, Élie, Jézabel, il avait déjà un serviteur qui était avec lui. Et la Bible dit, quand il fuyait Jézabel, il a laissé son serviteur-là à Bicheba. Dans une ville qu'on appelle Bicheba. Dites amen. Amen. Alors, il y a un premier serviteur qui est là. Donc il y a un deuxième serviteur, maintenant Dieu lui donne. Donc il y a une concurrence des serviteurs. Le premier serviteur, tu penses qu'il est sorti fortuit. La Bible n'a pas peut-être parlé de lui. Mais tu vas voir qu'il était, il a pris des bénéfices.
tout ce que tu fais, Dieu tombe sans récompense. Amen. Ce n'est pas lui qui a laissé Élie. C'est lui qui a dit, tu l'as fui et il donc. La reine dira, mais tu es demi à la même heure. Donc, ils sont partis, il a laissé à Bichéba. Et puis il est parti. Alors le temps de l'héritage, tu es dit, tu ne vas pas donner ça à celle que tu aimes. Mais tu vas donner ça à celui que tu n'aimes pas. Dis ta main. Tu sais, nos frères musulmans, pourquoi ils marient deux femmes obligatoirement? Parce que quand ils grandissent, il y a ce que papa a choisi. Il y a ce que lui-même choisit. C'est comme ça. Hein? Tu l'as imposé un. Par la soumission qu'ils sont grandis avec, il ne peut pas laisser. Il va obéir à son papa, il prend. Mais lui-même, son choix, il va prendre. Ça fait obligatoirement deux. Mais on connaît maintenant qui il va aimer. C'est ce que lui-même il a choisi à ses propres critères. Le papa, lui, il va aimer celle que lui-même il a choisi pour donner à son fils selon lui-même ses critères. Donc chacun a son amour. Donc quand Élie était le prophète, son premier serviteur, ce n'est pas Dieu qui a choisi pour lui. C'est lui-même, son ministère, qui a choisi pour lui. Donc ça, c'était le cœur d'Élie. C'était le cœur d'Élie. C'était lui-même son choix. Mais le deuxième qu'on appelle Élisée, c'était pas lui-même son choix. Lui-même, il voulait aller mourir. Et puis Dieu dit, va où est Élisée. Il ne connaît même pas Élisée. C'est par inspiration. Quand il a vu Élisée, il a su que c'est lui. Il l'aime, il n'aime pas où. C'est l'homme selon son cœur, pas l'homme selon son cœur. Sa physionomie ne plaît pas où. C'est le choix de Dieu. Dieu lui a ses critères, que lui il aime femme là. Toi tes critères là, tu as laissé ça à Bichéba. Dis ta main. Alors Dieu lui, quand il marchait maintenant, il regardait Élisée. Élisée selon, était selon le cœur de Dieu, mais le premier serviteur était selon le cœur d'Élie. Maintenant arrivé un moment, Élie dit, laisse ici. Parce que je m'en vais là, c'est dangereux. Amen. Tu ne peux pas me suivre. Il dit non, je vais te suivre. Quelqu'un qui s'en va, Dieu lui a dit que je vais t'enlever. C'est différent de mourir de Jézabel. Jézabel voulait te tuer, c'est pour ça qu'il était obligé de te séparer de ton serviteur. Tellement tu l'aimes, pour pas il va souffrir avec toi. Pour pas ils vont vous tuer ensemble. Amen. Donc je te laisse à Bichéba et puis je m'en vais. Mais pour Élisée, ce n'était pas mauvais truc. Dieu dit aujourd'hui, tu ne vas pas connaître la mort, je vais t'enlever. Amen. C'était une très bonne chose. Il devait aller à Élisée à l'aise et raconter ça même à Élisée. Mais il suit, Élisée le suit, il dit, reste ici. Et je dis, je te suis aujourd'hui. Arrivé dans une autre vie, reste ici. Je te suis aujourd'hui. Reste ici, je te suis aujourd'hui. Je le jour là, faut rester ici. On va traverser ensemble. Les deux traversent. Élisée maintenant, sous inspiration, il regarde bien. Il dit, je dois avoir la double portion. Parce que tu as eu un premier serviteur. Tu as eu deux enfants. Les deux enfants, moi je suis de l'enfant que tu n'aimes pas. Parce que c'est Dieu qui m'a choisi. Donc comme moi là, je dois avoir la double portion. Et il a dit, ce que tu as dit, c'est très compliqué. Amen. Mais si tu me vois partir. Et il a reçu la double portion. Amen. Amen. Donc chaque fois que Dieu parle de double portion, c'est qu'il y a la diversité. Il y a quelqu'un qui est là qui mérite. Mais toi tu es là. Et Dieu doit te donner deux fois pour lui. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bah, tu dois savoir à quel niveau tu es. L'apôtre Paul dit, il y a les vases d'honneur et il y a les vases de déshonneur. Parce que dans une maison, il y a beaucoup de choses en main. Dieu, pour créer ce monde que nous sommes ici sur la terre, il a créé les galaxies. Il y a plusieurs galaxies. Il a créé des galaxies. Et ces galaxies sont la maison de Dieu. Et dans sa maison, il y a la terre qui est là. Donc dans la galaxie, il y a le soleil,
dans la lune, dans des milliards d'étoiles, les planètes que les gens ont déjà vues, eux qui n'ont jamais vu, tout ça c'est la maison de Dieu. Ils ont projeté un quoi là même, un appareil qui voit très très loin. Derrière, comme jamais ils n'ont pu faire même quelque chose en haut. Là même ça s'en va vers le soleil. Parce qu'ils ont minimisé ça même, très très même. Donc il va bien identifier les choses. Parce qu'ils ont placé les satellites là, il y a beaucoup de choses derrière lui. Donc dans ces dernières années, ils ont lancé une très très loin. Amen. Donc ils ont dit à partir de lui, ils vont observer la terre. Mais c'est à partir des autres là qu'on les a montés pour voir la terre comme vous voyez là. Amen. Mais lui il est parti encore plus loin. Amen. Maintenant quand il observe la terre à partir de lui, sur la terre, il regarde la terre à partir de lui. La terre est comme un grain de sable. Un grain de sable. Et puis il y a des galaxies. Il y a des terres. Il y a des planète costaud, 10 fois, 20 fois, et depuis des millions de milliards qu'on ne peut même pas compter, qui sont là. Et puis la terre seule est là, comme un grain de sable, quelque part, isolé, très très loin. Et les gens se demandent, mais alors qu'est-ce que la terre même, au milieu de tout ça là, ça vaut rien? Et c'est sur cette terre-là, on est, on fait tout ça là. Mais regarde comment c'est représenté dans la galaxie. Comme un grain de sable au milieu des monstres de galaxies et de milliards en plus. Amen. Or, ils n'ont pas encore tout vu. Hein? Et ils n'ont pas encore monté plus haut que le soleil. Ça, c'est toujours en bas. Or, il y a des planètes derrière le soleil. Tout imaginer. Maintenant, Dieu, dans cette maison, des galaxies où se trouve la terre, il y a des vases vides et il y a des vases d'honneur. Dites amen. Et c'est la terre qui est la vase d'honneur. Parce que les gens disent que c'est le ciel qui influence la terre. Mais ce n'est pas vrai. C'est la terre qui influence le ciel. Vous savez, même le soleil qui est là ne peut pas briller sur la terre. Si la terre n'a pas dit son OK, amen. Dites amen. Amen. La terre tourne. Donc, selon lui, ça a tourné là. Que le soleil gagne une face pour prier. C'est la terre qui lui donne les faces. Amen. C'est la terre qui lui donne les faces selon la rotation. Souvent, quand tu te réveilles, le coucher du soleil est différent d'il y a deux mois passés. Amen. C'est la terre qui fait ça, c'est pas le soleil. Le soleil n'a pas de commandement sur la terre. C'est la terre qui commande comment le soleil doit rayonner. Dites amen. Amen. Toute la puissance se trouve sur la terre ici. Amen. Ne regardez pas au ciel. Tout est sur la terre. Tu as placé un homme qui est devant. C'est lui qui parle. Amen. Si lui tourne la face, le soleil ne te prie pas. Amen. Quand il a dit, à celui que vous me direz, son péché sera retenu. À celui que vous pardonnez, son péché sera pardonné. Et Jésus a donné l'expérience. Il a pardonné le péché devant nous. Pour que nous aussi on sache qu'on a ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, les gens craignent ça. Toi, tu as dit qu'à cause de toi, Dieu n'a pas me pardonné. Quand Jésus a fait, même les pharisiens n'ont pas accepté ça. Ils ont dit, lui, un homme là qui a le pouvoir de pardonner le péché. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Celui que tu retiens son péché, tu tournes la face. Pour que le soleil ne brille pas, moi Dieu, je ne peux rien faire. Moi soleil, je ne peux rien faire. C'est la terre qui fait ce qu'elle fait. Dites amen. Aucune galaxie, aucune étoile n'a pouvoir sur la terre. La Bible dit, toute la nature soupire pour attendre qui? La manifestation de la terre. La terre c'est qui? C'est toi, tous les enfants de Dieu. Tandis que la lune, le soleil, tous ces milliards de galaxies, ils t'attendent. C'est toi qui vas les influencer. Ce n'est pas eux qui t'influencent. Quand tu bouges, eux ils bougent. Dites amen.
Alors si tu as connu ta position dans cette grande maison où tu es insignifiant, où on ne te voit même pas, tu es dans un corps, on ne te voit même pas, tu as déjà salé, il y a milliards de personnes à terre salée, il y a milliards de personnes sur la terre, tu es un grain de sable, mais la Bible dit, sur cette terre-là, il y a les vases vides et il y a les vases d'honneur. Dites amen. On a toujours beaucoup dans la galaxie, mais c'est la terre qui commande tous ces milliards de galaxies. Eux tous, ils sont là pour la terre. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. C'est la terre à cause de que Dieu les a créés. Aucun être sur la terre ici qui vit pour lui-même. C'est à cause des fils de Dieu que tous ces milliards qu'on dénomme la terre, on dit on s'en va à 10 milliards d'habitants. Il ne faut pas être effrayé. C'est le vase vide que Dieu les a mis dans la maison. Amen. Hein, quand tu as ton porte-monnaie, hein, elle arrivera, tu as ton porte-monnaie. Amen. Quand il ouvre comme ça, on veut encore regarder dedans. Amen. Amen. Mais la porte-monnaie, hein, tu as 100 000, 100 000 c'est bien, hein, le nouveau billet de 100 000. Ils ont mis 9 et puis ils ont pris 1, ils ont attrapé bien, puis se fourré dedans. Et puis, ton porte-monnaie, ça tombe dans le feu. Donc le feu commence à brûler là. Amen. Hein, toi, tu as mis ta main dans le feu pour enlever le porte-monnaie, ce n'est pas à cause du porte-monnaie. Amen. C'est à cause de ce qu'il y a dedans. Amen, amen, amen. Quand tu prends le porte-monnaie, tout est brûlé. Tu regardes l'argent, ce n'est pas brûlé. Tu es l'homme le plus heureux de la terre. Parce que tu ne fais rien le porte-monnaie. Amen. Amen. Tu as ta cuvette à la maison, tu gardes l'or dedans, tu gardes l'argent dedans. Hein, comme maman qui gardait l'argent dans les cuvettes, les 5 francs, 5 francs. Imagine que c'est les 500, 500, 500, 500, 500, elle met dedans. Et qu'un jour, on dit, le canari qui tient ça là est cassé. Mais tous les 500, 500 là sont là. Et tu ramasses ça, tu fais rien, la canarie cassée. C'est ce que ton corps est. Amen. Dieu a mis un trésor dedans. Amen. Quand Satan nous prenait, un jour il a ramassé Bédou. Et ça qui a fait que je n'ai plus aimé Bédou. Il a ramassé le portefeuille de quelqu'un. Il y avait presque 7000 dedans. En ce moment, il était encore jeune, il était encore couturier, apprenti couturier. Je ne connais même pas encore le message, il était païen même. J'ai ramassé, je ouvre, il y a 5 000, il y a 1 000 francs, puis il y a jetons dessus. Puis il y a ces pièces, tout ça là-dedans. J'ai dit, ok, je vais l'appeler, il va venir chercher son argent, ses pièces, tout ça là. Amen. J'ai fait tout, je n'ai pas pu le jouer. Donc, sa pièce là, on dirait, j'ai collé quelque part pour que s'il trouve, il va trouver. Et puis j'ai pris son argent. Donc imaginez que je suis un voleur. J'ai volé son portefeuille et son argent. Et ce que Satan nous faisait. Satan nous prenait, nous, notre vase. Il fait ce qu'il veut à nous. Dieu n'a pas droit à nous. Le Saint-Esprit qui est dedans encore quand on meurt, Satan prend sa vie, il s'en va dans son monde. Parce que Dieu n'avait pas droit à ça encore. Donc Satan prenait le porte-monnaie, il prenait l'argent qui était dedans, l'or qui était dedans, qui donnait la valeur au porte-monnaie. Mais il arrivait un temps où Dieu dit, l'or qui est dedans là maintenant, mais il revient, parce que Jésus est venu payer le prix. Amen. Donc, prends le porte-monnaie là, il faut déchirer ça dans les cars, amen, déchirer ça dans les accidents, amen, déchirer ça dans les maladies, amen, dans les coronavirus, mais moi je prends mes 10 000. Je prends mon or. On ne fait rien à ça là. Dieu lui l'a fait à son or. Amen. Donc Dieu prend son or et Satan gâte le pot. Ça, c'est Dieu qui n'a rien à ça. Mais en ce temps de la fin, Dieu dit, tu veux tout, l'argent, tout ça là, je prends. Le pot qui a porté. C'est ça que Jésus a dit. L'autel qui est là, si je mets offrande dessus, toi tu vas dire que c'est offrande là qui est important, que l'autel là n'est pas important. Il dit insensé. Ce n'est pas l'autel qui sanctifie l'offrande qui est dessus. Amen.
premier moment, Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Moi, mon hôtel, Satan prend ça seulement. Il décapite ça, il tue ça, il fait ce qu'il veut. L'hôtel de Coleman, Satan a tué ça. L'hôtel de Branham, Satan a tué ça. Même l'hôtel de Jésus, Satan même a tué ça. Satan tue tous les hôtels. Mais la parole du Seigneur qui dit que ce qui porte l'hôtel là, ce qui porte l'or qui est dessus là, est plus entre les deux qui est important. Jésus pose la question. Le temple, vous les pharisiens, vous dites que si on juge par le temple, on n'est pas engagé. Mais si quelqu'un juge par l'or, la divinité qui est dans le temple, il est engagé. Ça veut dire quoi? Ton corps humain qui est là, moi je fais rien avec. Mais c'est l'esprit qui est en toi là. C'est ça que moi je vis. C'est ce que Dieu il a dit que les pharisiens sont insensés. Il dit, le corps humain qui est là, entre lui et puis l'esprit qui est dedans là, qui est grand? Donc il y a match, quand Jésus pose la question, c'est qu'il y a match. Il n'a pas répondu, donc on va laisser comme ça. Mais je pense que dans une prédication quelque part, j'ai répondu. Amen. Dites amen. Alors, Jésus dit, si les deux sont pareils, il n'y a pas de raison que Satan va prendre la peau, Satan va prendre le temple, et puis moi, Dieu, je vais me contenter seulement de prendre l'or qui est dedans, l'esprit qui est dedans, pour retourner à moi. Donc cette parole du Seigneur doit forcément rattraper un jour dans le temps de la rédemption, où Dieu va dire, le temple et l'or, les deux m'appartiennent. Je prends l'or, je prends le temple. Amen. Alors, toi, tu aimes qui? Hein? Regardez un peu. Aimer Dieu, c'est aimer les hommes qu'on ne voit pas. C'est aimer les hommes qu'on voit. Hein? Alors, voilà pourquoi Dieu a aimé à faire d'Adam. Il a terminé par ça. Adam a aimé sa femme qui est Dieu. Dieu lui a dit qu'il ne faut pas manger. Le jour où tu mangeras, il va avoir cette... la mort de séparation. C'est nous, on a dit mort. Donc, dans le langage d'Adam, qui était le fils de Dieu mature, il savait que ça veut dire entre lui et Dieu, il y aura séparation. Amen. Maintenant, il voit que sa femme a mangé. Alors, sa femme aura une séparation entre lui qui est Dieu. Parce que lui n'est pas tombé dans lui et Dieu sont un. Donc entre lui qui est Dieu et sa femme, il doit avoir séparation. Alors Adam doit faire un choix. Soit il accepte de se séparer de Dieu, soit il accepte de se séparer de sa femme. Alors il dit, je préfère me séparer de Dieu et être uni à ma femme. Et Dieu vient. Dieu a aimé vraiment ce que Adam a fait. Adam a aimé sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme était la manifestation de Dieu sur la terre. Hein, Dieu, tu n'es pas mon catégorie. Hein, si tu dois m'aimer, aime d'abord ceux qui sont comme toi. Si tu as un amour à manifester, manifeste ça d'abord à ceux qui sont comme toi. Non, président de la République, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, ça c'est pas amour. C'est parce que j'ai une puissance. Si tu as vraiment amour de l'humain, il faut aimer ton voisin qui est dans la même situation que toi. Il a besoin de payer maison, il a besoin de payer maison, il a besoin de manger, il a besoin de manger. Le soleil vous tape, le soleil vous tape. Même condition. Si tu es arrivé à l'aimer, moi le président, tu peux m'aimer. Mais ta femme, qui est dans les mêmes conditions que toi, les mêmes réalités que toi, le même corps physique que toi, si tu ne l'as pas aimé, pour te sacrifier pour lui, pour elle, ce n'est pas moi Dieu tu vas faire. Donc la parole du Seigneur qui dit, aimer Dieu, c'est aimer les prochains. Voilà quoi Jésus-Christ dit. Si vous donnez de l'eau à un de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Ce qui veut dire, si tu as aimé
des frères de Jésus, c'est Jésus que tu as aimé. Donc, si Ève est la sœur, ou bien la sœur, bon, on va laisser ce côté femme, est la sœur de Jésus, si tu as aimé Ève, tu as aimé Jésus. Donc Jésus ne peut pas faire rivalité d'amour. Parce que c'est lui-même qui est Ève. Amen. Il n'y a pas rivalité d'amour. Si ton enfant qui est là, tu es le fils de Dieu, et qu'à cause de toi, je fais des sacrifices, et que Dieu doit me punir, Dieu va m'aimer, parce que je t'ai aimé. Amen. Voilà comment il dit. Dieu a dit, il a aimé ses fils blessés. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la voix de lui. Voilà pourquoi il dit, n'avait même pas peur de tout ça. Il dit, mais Dieu me réprimande. Non, c'est ma voix, il prend pour appeler le petit là. Dieu n'a plus de voix. Si ce n'est moi ma voix. Aimer les enfants de Dieu, c'est aimer Dieu. Placer un homme devant. Et puis un derrière pour dire, si je crois en Dieu, je dois mettre ma foi dans un homme. Dites amen. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En moi, en tant qu'humain. C'est-à-dire, croire, c'est foi. Avoir la foi à un être humain. C'est de cette vase-là que nous parlons. Il fallait qu'il y ait une vase devant le peuple. Pour qu'il y ait des difficultés, Dieu dit, je ne peux rien faire. Et la même chose ne change pas. La Bible dit, le prophète Benham dit, la vie d'Israël, c'est la vie de chacun de vous. Quand tu vas taper ta tête au mur, partout, il te faut un homme qui sera devant. Il va parler, comme le passage aussi a dit. Même si c'est tordu comment. Même si tu penses que c'est comme s'il ne comprend pas ton problème. Mais il faut dire oui. Il faut faire comme Anne. Et tu vas à la maison. L'empreinte de Dieu, ce n'est plus Dieu lui-même. C'est ce que tu fais sur le Saint-Esprit aujourd'hui. Qui est l'empreinte de Dieu sur le Saint-Esprit. On va se tenir debout. Avoir quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est très compliqué. Si tu as gagné pour l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ce que tu dois faire avec Dieu, fais avec lui. Non, quand on est dans la vraie chose, on ne peut plus faire ça. Un an. Le pasteur nous est conduit par le bien de Dieu jusqu'à un an. Où est mon bonne année? Où est mon bonne année? Il y a un pasteur qui m'a appelé. Il me dit, tel fidèle là, il t'a fait bonne année. Je lui ai dit, mais pasteur, ça c'est pas une question qu'on pose. Il a trouvé que je lui ai parlé de Dieu, mais c'est ça. Ça c'est un secret interne. Ça c'est pas une question qu'on pose. Alors toi maintenant, tu as été avec ton papa pendant un an. Il est plus que ton papa actuellement. Où est son bon ami? On va fermer les yeux. Aimer Dieu, c'est aimer l'homme que tu vois. Ta foi en Dieu se manifeste dans la voix du le serviteur de Dieu que Dieu a mis devant toi. C'est ça qui identifie ta foi en Dieu. C'est pas différent. Il n'y a pas la foi en Dieu à part, et puis la foi en serviteur de Dieu à part. Ce n'est pas différent. Dieu te dit aujourd'hui que la vase peut être vilaine, mais le contenu est important. L'œil du Seigneur te dedans, c'est important. Ça peut être écrasé, mais Dieu prend toujours son jeton qui est dedans.
On est tous dans la maison. J'ai mis beaucoup de choses dans ta maison, télévision, fauteuil, radio, frigo, tout ça tu as mis. Mais dans tout ça, c'est qui? Un honneur dedans. Tabouret, ce n'est pas honneur. Dans les assiettes, c'est qui est honneur dedans. Alors Dieu te dit la même chose. Tu as tiré salé ici, c'est une maison qui est là. Il y a beaucoup de personnes à tiré salé. Mais c'est toi qui les influences. Vous allez casser ensemble. Mais pour toi, Dieu va dire pourquoi tu as cassé. Mais lui va casser, il va dire sans faire rien. Alors tu vas prier. La voie est devant toi en cette année. Tout est ouvert devant toi. La nuit depuis 63 a conduit jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas. Tant que lui est là, c'est pour avancer. Dieu n'a pas encore montré que la nuit encore arrive. Au contraire, il a montré que nous sommes au jour maintenant. On quitte à minuit, on vient au matin. Donc c'est le temps de la nuit. On marche seulement. Je suis avec le peuple de Dieu à minuit. La nuit était là, les gens marchaient. C'est que depuis 63 à minuit, il marche jusqu'à aujourd'hui avec nous. Alors si cette voie est ouverte, quand il y a Oscar devant, Dieu te dit, il y a un homme qui a un bâton. Un homme qui a la parole de Dieu entre lui, qui peut frapper l'objet, qui peut frapper le rocher, qui peut frapper l'eau, qui peut tout frapper. Et puis Dieu va ouvrir. Ce n'est pas lui qui ouvre, mais Dieu passe par lui pour faire des chemins qui te sont impossibles. Alors qu'est-ce qui te bloque? C'est la foi qui te manque. Alors l'identification des problèmes, des ennemis de la foi qui ont été donnés ce matin. Alors tu vas écraser ça maintenant. Prions ensemble. La foi est importante. Le doute est l'ennemi de la foi. La familiarité avec son frère, avec sa soeur, est l'ennemi de la foi. Ça fait que tu ne peux plus croire en lui. Même à sa prière. Seigneur, nous savons que tu travailles dans la vie de tes enfants. Tu leur ouvres des portes là où ils sont fermés. Mais en ce temps de la fin, tu réclames beaucoup plus à Satan. Je prends le vase et je prends ce qui est dedans. Je prends la cuvette, je prends aussi ce qui est dedans. On a ouvert les yeux. Il y a un petit élément que je dois ajouter ça pour que ça soit parfait. Deux enfants qui héritent. Élie était le type de cette personne qui a manifesté spirituellement la toute portion. Il a eu deux serviteurs. Il a laissé un à Bisheba. Bisheba, c'est là-bas que Agar. Agar s'est retrouvé et l'ange du Seigneur est venu voir Agar. L'ange du Seigneur lui a ouvert les yeux. Que voici pluie. Toi, on a l'enfant, l'enfant ne va pas mourir. Il lui a donné de l'eau. Bisheba, c'est là-bas la vieille sage, la vieille folle, est partie croiser l'ange du Seigneur. Deux bénéfices. Il n'a pas laissé n'importe où. Lis bien la Bible. On dit qu'il a laissé son serviteur à Bisheba. La Bible a bien précisé. En ce temps de la fin, je devais prendre ça depuis Jésus. La double portion qu'a aujourd'hui. Mais j'ai coupé ça donc pour plus revenir dessus. Donc je prends rapidement pour vous ici. En ce temps de la fin, quand la double portion vient, c'est qu'il y a l'adversité. Il y a un qui reçoit un, il y a un qui reçoit deux. Il y a celui qui vient de la femme aimée, il y a celui qui vient de la femme qui n'est pas aimée. La femme qui n'est pas aimée, c'est le choix de Dieu qui n'est pas aimé. Mais le choix de l'homme est aimé. Alors quand il y a deux identités,
il y a un qui reçoit de là le soutien, toute portion. Et il y a un qui reçoit pour lui, à Bisseba, en tant qu'Agar. Alors tu dois savoir qu'aujourd'hui, les deux enfants sont représentés dans Élisée. En même temps, tu cries que je suis Élisée, tu dois savoir qu'il y a le premier serviteur qui est là, le cœur d'Élie qui est là, lui qui est resté à Bisseba qui est là. Là, c'est ton nom de bon. Si Dieu t'a pas laissé afficher pas, il sait pourquoi. Amen. Si Dieu a voulu que tu le laisses, tu l'as insisté pendant trois fois, il sait pourquoi. Tu as traversé le Jourdain, il sait pourquoi. Abishéba, c'est là-bas. Abraham a offert sept moutons qui représentent les sept ailes de l'église. La vierge Paul, elle ne fait pas plus que ça. Elle s'arrête là. À là où tu sais, et puis c'est fini. Elle ne peut pas monter au huitième. C'est à Bisseba. Isaac aussi. A lui aussi son problème de pluie. Alors tu dois savoir que cette affaire de l'eau naturelle représente la parole. Mais c'est à Bisseba que Dieu donne pour Agar. Mais pourquoi tu donnes la double portion? Il ne te donne pas l'eau, il te donne la double portion. La double portion, c'est dire que moi, je ne veux pas être comme Branham. C'est être audacieux. Aujourd'hui, on prétend que tu es audacieux. Il faut être audacieux. Élisée regarde Élie. Et puis dit, je ne veux pas te ressembler. Je ne veux même pas te ressembler. Je veux être deux fois ce que tu es. C'est être audacieux. Sous inspiration. Parce qu'il accomplissait l'écriture qui est naturelle en spirituel. Aujourd'hui, Dieu te demande cette même audace. Le bruit de l'eau, Dieu ne te demande pas là. Dieu te demande la toute portion. Fais deux fois ce que Branham n'a pas fait. C'est pas toi qui vas devenir chercher le bruit de l'eau. Ça, c'est affiché, pas on cherche ça. Alors, tu vas prier. Dieu t'a tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. L'immortalité, Dieu te donne. Prions ensemble. Père, que sois reconnaissant. Il y a deux héritiers. C'est parce qu'il y a un qui reçoit un qu'il y a un qui reçoit deux. Père, c'est en ce temps de la fin. Tu as permis à ton église d'avoir aussi un Élisée. C'est qu'il y a le premier serviteur qui est né de lui. Mais qui a affiché là. Tu nous donnes la toute portion. Nous, on n'a pas de pluie. Nous, on n'a pas l'eau. Nous, on n'a pas les pains. Nous, on n'a pas les brochures. Donc, on a la toute portion. Ça veut dire, nous, on peut faire deux fois ce que Branham a fait. Jésus a dit, vous allez faire plus. Alors, si celui qui vient, ceux qui viennent après Branham, les Éphésiens vont faire plus. C'est être audacieux. Je préfère être audacieux que d'être un poltron. L'immortalité, c'est faire plus que Branham. Faire plus que Jésus, c'est donner le Saint-Esprit. Aujourd'hui, faire plus que Branham, c'est donner l'immortalité. C'est pas pour aller faire les campagnes de guérison. Les puissances pentecôtistes, les gens sont accrochés dessus. Alors Dieu te donne l'immortalité. Il prend la vase et l'argent qui est dedans. Tout lui revient à la maison. Alors si en ce temps de la fin, Dieu ne donne plus rien à Satan, imagine quelle considération que Dieu te donne, quelle vase d'honneur que Dieu nous donne. On ne peut plus pleurnicher sur les petits cas difficiles de notre vie. Quand si tu as mangé la terre, ce n'est pas Narine qui va te faire peur. Si Dieu te donne l'immortalité, ce n'est pas les petites choses que tu vas te frayer dessus. Dieu réclame actuellement les vases. Merci Seigneur. Nous bénissons ce matin. Je réponds avec Dieu. Nous bénissons tout le temps.